Wesh la meute, ok. Ali, bon désolé pour toi mais on va parler des ex. CF à son Instagram, allez tous le suivre sur Instagram, il y a des histoires marrantes. C'est à toi de présenter Ali, je suis désolé. Bon les gars, honnêtement on a tous des ex. Qu'est-ce que vous direz à votre ex une dernière fois? Va te faire enculer. Souvent ça va être des trucs mauvais tu vois. T'as un mot pour ton ex? Un mot pour mon ex. Bien joué. On va peut-être tenter un reconfinement. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos, likez un maximum, abonnez-vous si c'est pas fait, commentez les gars, on a besoin. Partagez un story Insta. Référencé, ça va nous pousser à se poser tranquille. Et après, on fait des vidéos, les gars. Voilà, on est dans le froid, c'est pas pour rien. Dansante, c'était trop stylé. Parce que nous, c'est la danse, la vidéo. Tu vois, on vous fait rire. C'est comme ça. Aïe aïe aïe. A tout tout tcha. Coupe frère. Coupe. Un mot pour ton ex. Bon, bah la rassant. Bisous. Chien. Voilà, je répondrai pas, je pense. Chien, c'est le mot qui est le plus revenu. Chien, proche chien. Pour mon ex, je... Lui, direct, t'appelles comment, tout ça, il me dit, fais ta question. Ça va, on se présente, hein, moi. T'inquiète pas. T'as un message, un certain message pour une certaine ex en particulier. Un genre de mot de la fin. Fuck les Inès. Toutes. Toutes des putes, les Inès. Sans exception. C'est pas moi qui le dis, c'est Charisme. C'est qui? Charisme. On va parler racli parce que vous êtes venus pour des racli. Est-ce que t'as un mot à une de tes... que t'as envie de sortir à une de tes ex? Vas-y, c'est tous des putes, frère. Voilà, c'est bon, moi, les... Vas-y. Frère, pourquoi? Hein? Pourquoi? Vas-y, en mode là, je sors avec une meuf. Voilà, elle a fait la pute. Voilà, elle a fait la pute. Mais c'est quoi faire la pute pour toi? Déjà, elle fait des phases de pute. Déjà, c'est quoi? De pute? Ouais, de pute. Non, pas de pute. De pute. Voilà, ouais. C'est vrai. Et en mode là, vas-y frère. J'ai dit vas-y nique sa mère. Moi je suis dans la religion frère. Un mot pour mon ex. Ou une de tes ex. Je vois ce qu'elle tweet hein. Ah tu vois ce qu'elle tweet. Elle tweet quoi frère? Ah y a certains messages subliminaux. Subliminaux pour toi. C'est moi je suis parti du coup T'es parti mais tu stalk encore. Ah moi je stalk pas. Mais bon, vu qu'elle est encore dans les abonnés, on voit ce qu'elle fait. Ah, donc c'est ton ex, mais vous followez encore. Donc c'est peut-être ta future meuf encore. Non. Je pense pas. Désolé, mais je pense pas. Hein. Désolé pour toi, frérot, mais frérette, du coup. Désolé, la sœurette, hein, mais je pense pas. Après, côté charisme, sur Twitter, très très grande vague d'explosion. Je sais pas si tu connais un charisme. Charisme, ça se dit trois, là. Il a dit toute la Inès. Moi je prends, d'accord, je prends comme... Voilà, tu prends, effectivement, c'est... Ça marche. Attends. Est-ce qu'elle faisait des phases de pute avec toi? Tu vois les phases de pute dont je te parle? Ouais, j'ai capté. Non, fais pas ça. C'est pour ça que tu l'insultes de pute, en vrai. Non, parce que t'as pas donné. Non, en mode là, c'est un pote, il m'a raconté qu'elle est sortie avec un autre mec. Faisait la pute et tout. Oh, la pute. Voilà, c'est une pute. Oh, c'est terrible. Voilà. Vas-y, redis devant la caméra, redis-lui ce que tu vas lui dire. Voilà, t'es une grosse pute sa mère, voilà. Les mecs, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah bien, alhamdoulilah. Sorti du star, ça fait plaisir carrément, ça fait longtemps, c'est pas... Ouais. Ça dit quoi les mecs? Tranquille toi. On est là? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez un message, un certain mot pour une certaine ex? Toi d'abord, parce que toi t'es hami, je te sens. Tous des putes. Tous. Sans... Non, il y en a quelques-uns halal, mais tous des putes. Vas-y. Mais halal, moi je veux halal certifié. Quand le boucherie halal. Vas-y, ok. Certifié mais, halal. Mais il y en a une que tu voudrais la viser. Juste, j'ai un truc à lui dire. Il lui dit un secret en plein. Toi, t'as eu des petites amoureuses. Moi, ça va en fait, elles étaient gentilles. C'est toi le bâtard dans l'histoire, ça veut dire que tu peux que dire ouais, tu connais, m'en veux pas. C'est ça que j'allais dire, hein. Je suis désolé. Voilà, vas-y, dis-le bien, dis-le bien. En bonne et due forme. En ça, non, rigole, je m'en bats les couilles. Chacun pour sa gueule, on était tous là pour la même chose. T'es quel pays? Hein, moi je suis algérien, Tunisien. C'est pour ça, voilà. Il y a toujours le côté algérien qui veut pas s'excuser. Est-ce que t'as un mot pour ton ex? Même pas, hein. Franchement, je l'aime bien, on est toujours en contact. J'espère qu'elle va bien. Et toi, t'as un mot pour ton ex? Non, même pas, j'ai rien. Sans rancune, franchement. C'est elle, t'as fait une dinguerie? Non, on va dire elle avait des problèmes familiaux, c'est-à-dire qu'on a préféré... Ah, c'est compréhensif. Bon, la pauvre. Moi, j'espère que ça va mieux pour elle. Ouais, j'espère aussi. Avec son nouveau copain, j'espère que ça va mieux aussi. Et toi, mon gars? Moi, j'ai rien à dire à mes ex, hein. Parce que t'en as pas? Ok. On passe. Alpha. Et toi? Moi, j'ai pas d'ex, moi. Ah, frère, vas-y. Tu mens. Hein? T'as une tête toute mignon. Non. Elle ressemble pas à l'emoji lune. Voilà, sors ton iPhone. L'emoji lune, on va le mettre. Non. Il est tout mignon. Ou chouchou le train là. Tu vois ce que je parle ou pas là? Même il fait flipper de baiser. Ah voilà, vas-y viens fouille, avec Krusty, avec moi. Dis-moi, t'as un mot à ton ex? J'espère, Ola, j'espère que tu vas bien et puis c'est tout, Ola. Oh, c'est beau. Ola, j'espère qu'elle va bien et puis c'est tout, Ola. La vérité, c'est beau. La vérité, c'est beau, machallah, voilà. Là, y a rien. J'espère qu'elle va bien dans sa vie, j'espère qu'elle continue, Ola. Voilà, Krusty le clown, il est gentil, les gars, la vérité. Ondala, frère, je suis un clown, moi. Ola, je suis là pour faire des règles. Tu l'as fait quoi, dis-moi? Tu dis désolé.
Non, j'étais gentil. T'as été gentil? Ouais. Mais t'en as plus là, meuf. Hein? T'as peut-être fait une bêtise. Bah non, juste le mode. Dis quoi? J'espère le micro il a pas entendu. Attends, il a dit quoi? Moi j'espère, même moi je l'ai passé. Dis quoi? Y'a un truc avec une voilée et tout ça. Tiens. Stop là. Alors voilà, la voilée c'est lui. Sur les 4 pieds de mon lit, c'est lui. Allez, tiens, voilà, démarre. Je ne cautionne pas le mot de la fin. C'est là ton jugement, frère. Mais tu sais que c'est 10 ans. Dis pas ça. Et c'est beaucoup d'amende. Non, bon. Ah, en plus, ça se parle d'amende. Vas-y, moi c'est bon. Moi, ça suffit pour moi. Moi, je sors d'ici. C'est toi qui paye. Pute entre nous, les gars, vous êtes déjà sortis avec des meufs, de beaux gosses comme vous, j'imagine. Non, moi jamais. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai, je suis jamais sorti. Sérieux? Ouais. Tu peux pas mentir, à la séquence d'avant, tu m'as dit que t'as galoché un tout. Est-ce que t'as une ex qui t'a marqué? Ah, genre, en vraiment. Plus, on en parlait tout à l'heure, là. Marqué dans quel sens? Ah, t'as pas un mot à dire à ton ex? Ouais, si, t'as un mot. Hey, il a un mot à dire. Bah, hey, dis-lui. C'est quoi, le micro, il est à toi. Dis-lui. Va te faire enculer. Wow. Non, regarde la caméra en lui disant. Je regarde dis bien. Okay. Hey, regarde. Hey, ça, c'est pour toi, ça. C'est pour toi. Vas-y. Va te faire enculer. C'est méchant quand même, pourquoi? Elle a fait des trucs, tu vois, pas ouf. C'est marrant, les mecs. Hein. Toi, tu vas dahak, Reda, tu vas dahak. Toi aussi. T'as un mot pour ton ex? Si t'en as une, t'as un mot pour ton ex? ZB, ouais. Voilà, c'est fait, et toi? J'ai pas entendu. Il m'a pas entendu. Reda. Ouais. Un mot pour ton ex ou quoi? Mon ex, moi? Ouais, si t'en as une. Ouais, j'en ai plusieurs. Plusieurs, ça t'es carrément. Non, ouais, je sais pas. Une ou t'aimerais bien lui dire un truc? Que t'as pas pu dire parce qu'il est resté là. Il est resté là. À ma dernière ex. Hein. Comme ça, là, tac, face direct. Vas-y, j'ai fait de la D, mais au calme. C'est rien, c'est de la rue. Voilà. C'est une manière à l'algérienne de dire désolé, c'est voilà, ça voilà. Mais tranquille, au moins, c'est sorti, y'a rien. On vide nos sacs. Et on retombe pas nos vestes. Voilà. Pas ouf, ça tire. C'est, reste un peu dans la discrétion, mais indiscrétion. Genre, trop ouverte. Quoi? Elle était comme un non, mais en vrai, ça te dérangeait à mort? Ouais, de ouf. Trop, ouais. T'étais jaloux? Un peu, hein. Ouais, mais c'est normal, la jalousie. Genre, je laisse la liberté, mais trop, non. Ouais, c'est trop après à l'abus. Ouais, c'est vraiment. Bon, bah, tu veux, on le rend. Ah, le message à 3, d'accord? 1, 2, 3. Va te faire enculer. Voilà, t'as brisé mon gars. Un mot à dire à votre ex. Ah, une de vos ex, peut-être. Ah, ça rigole par là. Lui. Ok, d'accord. Pute. Quoi? Non, ça. Pourquoi grosse pute? Ah, c'est compliqué. Ouais, elle m'a trompé vite de spi, mais. Ouais, y'a pas de trompé de spi. Ouais, elle m'a trompé tout court. Elle m'a trompé. Mais après, elle faisait trop la meuf attachée. Et... Après, moi, je m'en fous. Ah, elle est trompée, elle est revenue. Ouais, et tu l'as accepté? En fait, j'ai voulu me venger. C'est ta faute alors. Hein? Non, mais en fait, elle m'a... pendant un jour, j'ai accepté. Parce que je voulais me venger, mais quand j'ai vu sa réaction, genre quand je l'ai... Ah, les femmes, c'est des comédiennes, frère. T'as quel âge? Moi, j'ai 17, là. Frère, j'ai 17. Moi, j'ai beaucoup. Ah ouais? Les femmes, c'est des comédiennes. Hein, ah, t'en as eu aussi? Hein? T'en as eu aussi des... Non, rien de tout ça. Mais je sais que c'est des comédiennes. Moi, je suis pas dans ça, moi. J'ai pas besoin, mais bon. Faut faire attention. Fais gaffe à toi, petit frère. Et vends jamais de la drogue et va à l'école. T'inquiète, je vais à l'école. Ok. Fais pas les erreurs qu'on a faites. Ok. D'accord, les petits frères. Eh, bonne journée, allez. Allez pas en prison, les amis. Allez, vous pouvez partir.